Avant, j'étais juste un lycéen. Il n'y a rien de plus compliqué que de commencer, en fait. Même si ça se trouve, je crois que je suis en train de commencer, mais c'est pas le cas. Je suis lycéen. Je m'appelle Lucas. J'ai 17 ans. Mais même ça, j'ai l'impression que c'est plus moi. Oscar aussi est interne. Il habite le même village que moi, la chambre à 1 heure du lycée. Mais ouais, on prend le bus ensemble tous les lundis matins. J'ai pas envie de penser à lui maintenant, en fait. J'en parlerai après. Je vais plutôt débuter avec mon père. Mon père qui m'emmène au lycée en voiture. Il y a 2 semaines, quand j'étais encore intact. Nous approchons de Chambéry. Je regarde mon père conduire. On s'était pas beaucoup vu depuis les vacances de la Toussaint avec son boulot. On n'a pas grand chose à se raconter pendant ce trajet. Mais je me souviens qu'à un moment, il me dit que. Qu'est-ce qui t'arrive Il aurait pu avoir une vie différente. Qu'il aurait pu être autre chose qu'un prothésiste dentaire dans un village au fond d'une vallée. Faut pas que tu loupes ton année, hein. Je veux pas être lourdeau, je veux pas te faire croire que le lycée c'est le truc le plus important de ta vie, mais ça commence là. Tu dis ouais, mais bon, faut pas avoir de regrets plus tard. Quand j'avais ton âge, si j'avais été plus discipliné, bah j'aurais peut-être pas la vie que j'ai maintenant. J'aurais pu faire autrement, vivre autrement. T'es pas heureux? La question c'est pas de savoir si je suis heureux. Je sais ou pas. Que tu me le dis sûrement pour motiver à bosser. Mais n'empêche que tu t'es permis de mettre ta vie en doute devant moi. Ce qu'il faut. Et ce que j'ai ressenti alors, assis tout près de toi, dans cette voiture, c'est de la peine. Parce que je sais que... Moi aussi, je suis de ton avis. Que j'aurais voulu mieux aussi, pour toi. Et j'ai voulu te répondre quelque chose de gentil, de rassurant. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai cru ce matin-là que j'allais mourir dans tes bras. Je me souviens très bien avoir pensé que j'aimais autant mourir dans ces bras-là. Pourquoi j'ai pas mort ce matin-là? Pas la peine d'en parler à ta mère, hein. C'est pas de ta faute, ta vie, c'est ce connard qui a doublé au mauvais moment.
C'est bien que c'est pas de ma faute. XVII歳の冬、僕の世界は崩壊した。Papa est mort, c'est ça? C'est les gendarmes qui sont venus me l'annoncer. Tu te sens comment? Je me sens comme anesthésié. Je te propose que Lucas vienne à Paris avec moi pour une semaine. Cool, t'as pas menti sur ton âge? C'est le premier garçon avec qui je couche, donc je connais pas le prénom. Alors, cette première journée? Super. Super. Je veux ça. Je veux que ça. Je veux pas claquer mon temps. Puisque rien de dur, je veux plus attendre. Je veux pas retourner au lycée. Mais t'as pas le choix. J'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de personne. C'est ça, justement. Dégage, là. C'est compliqué pour nous tous de dire que ça va pas. 僕はそのすべてを受け入れて光を取り戻すことができるのだろうか。ウィンターボーイ。